C'est un jeune club. Parlez-nous de votre club. En réalité, c'est un club qui n'a pas encore 7 ans. Il va avoir 7 ans le 25 novembre cette année. C'est des passionnés de Monaco qui ont voulu créer leur club. Certainement parce qu'ils ne se trouvaient pas bien ailleurs, et puis on a monté, on a fait les choses sérieusement, avec passion, beaucoup de travail. Je pense que c'est ce qui a fait le mélange, a fait vraiment la réussite. Je veux dire, on est monté pratiquement chaque année. L'année dernière, on est arrivé en N2, on a fait une très bonne saison. Et cette année, on est plein d'ambition, plein d'espoir. Et voilà, en plus, on s'est renforcé avec des joueuses de talent qui se sont de suite intégrées. Et voilà, tout laisse à croire. Pour l'instant, tous les voyants sont ouverts. Alors bon, l'année dernière, vous avez parlé de l'année dernière. C'est vrai que vous avez loupé la marque de très peu. Mais il faut dire aussi que vous avez un sacré entraîneur. Olga Tarasenko, on connaît son coaching. Vous pouvez nous en parler? Olga, c'était la deuxième année qu'elle était dans le club. C'est vrai que c'est de suite une plus-value, hein, je veux dire. Il n'y a pas besoin de faire sa carte de visite. Après, c'est surtout un état d'esprit. Toujours, quand ça rentre, ça veut chercher toujours le meilleur. À l'entraînement, c'est toujours très... On va chercher l'extrême, on va pousser les filles pour vraiment qu'elles donnent le meilleur. Après, je pense qu'on est passionnés tous les deux. Elle s'est intégrée dans le club, comme si elle avait toujours été là. Et c'est vrai que l'année dernière, avec très très peu de moyens, elle a fait des résultats, elle a fait quelque chose d'énorme, parce que c'est vrai qu'on loupe la marge très très peu. Bon, après, on était très contents de finir troisième aussi, on aurait signé de suite au début de championnat pour finir troisième dans des conditions pareilles. Voilà. Cette année, je pense que le but, rien qu'en parlant avec les filles, elles ont déjà dévoilé un petit peu le but voilà. De l'équipe. Le but, c'est sûr, c'est la montée, les playoffs et la montée. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus avant, on était un outsider, maintenant on est vraiment favori. Je veux dire, quand on parle un peu de nous autour, tout le monde dit, MBA, certainement sur le podium. C'est vrai qu'on fait figure de favori. Mais j'espère qu'on ne va pas se mettre une pression inutile et qu'on puisse vraiment pratiquer notre basket avec le même état d'esprit qu'année dernière. Et moi, je suis très confiant. De toute façon, l'objectif, c'est de faire mieux que l'année dernière. Donc, on a fait 8e de finale de Coupe de France, 3e du championnat. Je laisse les filles maintenant travailler et moi je vais me mettre dans les tribunes et je vais encourager. Alors on parle du NBA, mais le NBA c'est aussi les jeunes, c'est aussi les plus petits. On a vu tout à l'heure avec Elodie l'entraînement. Alors parlez-nous un peu de cette formation. En réalité l'année dernière, la grande fierté c'est qu'on a été champion départemental en Benjamin. Et la fierté, c'est que c'est des gamines qu'on a pris il y a 3 ans, qu'on a formées de A à Z. Et pour un titre 3 ans après, c'était génial. Après, c'est vrai, on a une école, on a des gamins, ça se grossit petit à petit. Monaco, c'est pas une grande ville, donc on n'a pas un réservoir énorme, mais les personnes qui arrivent, sont heureuses, reviennent chaque année avec envie. On a encore vu tout à l'heure, les gamines, elles étaient là, elles m'ont déjà parlé du premier match du championnat, elles veulent faire la buvette. Mais c'est là un peu l'état d'esprit du MBA, c'est vraiment un club familial. Où on fait les choses sérieusement, sans se mettre de pression, mais on veut que ça soit fait simplement, mais sérieusement. On connaît bien le MBA, nous, parce qu'il y a aussi une équipe qui est engagée en PNF. Et vous doutez bien que cette équipe aussi a joué contre Nice en match amical la semaine dernière, et elle a présenté une nouvelle facture, avec l'or. L'or, c'était une bonne recrue parce qu'elle est arrivée chez nous en l'année où on était en région. Elle est restée malheureusement qu'une année. Je l'ai fait revenir l'année dernière parce que je pense que vraiment elle a un potentiel au niveau du coaching qui est très intéressant. C'était pas gagné au départ parce qu'au départ, il y avait un groupe qui avait un peu explosé l'année d'avant. Puis petit à petit, elle a fait son chemin pour un titre à la fin et une montée. Et cette année, on pense sérieusement que y a du potentiel. On peut jouer le podium, je pense. De toute façon, l'objectif, c'est de faire une meilleure saison et surtout de garder cet état d'esprit pareil, familial, un groupe. On est vraiment une équipe. De toute façon, notre slogan, c'est « We are one », donc ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Bon, en tout cas, Président, ben, merci. Merci. Ben, merci à vous. Président heureux. Ah, tout à fait. Moi, de toute façon, quand on prend l'entraînement, j'ai le sourire. Voilà. Ben, merci de votre accueil. Ben, merci à vous et vous êtes vraiment le bienvenu. Vous venez quand vous voulez. Ah, ben, je vous dis revenir. D'accord, ben, je vous remercie.